les intentions de la famille royale de remiser au placard les querelles familiales à l'approche du couronnement de Charles III en mai semblent nettement s'effilocher depuis quelques semaines. Après les mémoires du prince Harry qui porte de nombreuses accusations envers son frère, le prince William, et même envers son père, c'est au tour du prince Andrew de refaire parler de lui. Disgracié et destitué de ses fonctions officielles après les accusations de violence sexuelle formulées à son encontre par Virginia Giuffre dans l'affaire Epstein, le frère du roi Charles III n'a pas perdu espoir de laver son honneur. En effet, comme l'a relaté l'expert royal du Daily Mail, Richard Kay, le prince Andrew étudierait les recours possibles pour pouvoir reprendre sa vie en main. Ce dernier avait conclu un accord de non-divulgation avec son accusatrice quand il lui a versé 12 millions de livres l'an passé. Mais ce dernier se termine en mars et Andrew pourrait donc devenir plus proactif dans sa ligne de défense. Quel avenir pour le prince Andrew? Alors que Virginia Giuffre pourrait être en train de rédiger ses mémoires, Andrew aurait informé ses avocats de Los Angeles de son intention de la poursuivre en justice si elle réitérait ses accusations. Dans une position financière beaucoup plus confortable qu'il y a un an, le prince déchu aurait en effet reçu un héritage substantiel après le décès de la reine Elizabeth II, qui lui permettrait de dépenser presque sans compter. Le testament de cette dernière reste pour l'heure inconnu et ne sera révélé que dans 90 ans, comme le veut la loi. Reste que le roi Charles III ne verrait pas d'un très bon œil l'obsession de son frère à remettre systématiquement cette affaire sur le devant de la scène et qu'il n'entendrait pas lui permettre de reprendre son rôle de membre de la famille royale actif. La reine, avant son décès, aurait proposé à son fils de se lancer dans les œuvres de charité pour se refaire une bonne image auprès des Britanniques. Visiblement, le prince Andrew a un autre cheval de bataille en tête. À moins que lui aussi se décide à écrire un livre. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, agence.